Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale des mystères du langage intitulée « Succès malgré le bégaiement ». Dans cette série d'émissions, nous allons explorer les parcours inspirants des personnes bègues qui ont surmonté ce défi pour atteindre l'excellence dans leur domaine respectif. Notre premier numéro, celui d'aujourd'hui, est dédié à un artiste extraordinaire, nommé Ed Sheeran. Connaissez-vous ces chansons envoûtantes comme Shape of You ou Thinking Out Loud? Ce que peu de gens savent, c'est que Ed Sheeran était bègue dans son enfance. Aujourd'hui, nous allons plonger dans son histoire personnelle en explorant les stratégies de communication et les exercices qu'il a utilisés pour surmonter son bégaiement, tout en découvrant comment il a transformé ce défi en une source d'inspiration pour les milliers de fans à travers le monde. Commençons par ses débuts. Né en Angleterre en 1991, Ed Sheeran a découvert sa passion pour la musique dès son plus jeune âge. Cependant, imaginez un Ed Sheeran désireux de s'exprimer à travers la musique, mais entravé par les mots qui se coinçaient comme les premières notes de sa chanson, Lego House. Le bégaiement était plus qu'une simple difficulté, c'était pour lui un obstacle émotionnel qui le poussait à trouver sa propre voie. Pourtant, malgré les défis du bégaiement, Ed Sheeran a persévéré, tel un castle on a hill. Il a commencé à se faire un nom dans la scène musicale londonienne tout en affrontant ses démons intérieurs. Il a utilisé des exercices de respiration et de vocalisation pour renforcer sa capacité à articuler les mots tout en continuant à chanter, à composer et à jouer de sa guitare avec une détermination inébranlable. La musique est devenue le langage d'Ed Sheeran, lui permettant de s'exprimer librement malgré le bégaiement. Comme il le chante dans Photographe, ses paroles sont les souvenirs qu'il porte. Les stratégies de communication telles que la visualisation mentale et la répétition lui ont permis d'améliorer sa fluidité verbale. La création musicale est devenue une forme d'émancipation pour lui, lui permettant de transmettre ce qu'il ressentait profondément. Le bégaiement a influencé la manière dont Ed Sheeran écrit ses chansons, ses expériences personnelles. Ses luttes et ses triomphes sont tissés dans ses paroles émotionnelles et authentiques comme dans If I Love. Il a travaillé avec des coachs vocaux et des orthophonistes pour perfectionner son élocution et sa maîtrise de la parole. Lorsqu'on écoute ses chansons, on imagine les moments de vulnérabilité qu'il a partagés avec le monde, transformant sa lutte en une œuvre d'art. Ed Sheeran est devenu une source d'inspiration pour ses fans du monde entier, en particulier pour ceux qui font face au bégaiement ou à d'autres défis. Ses chansons comme You Need Me, I Don't Need You et son parcours ont encouragé de nombreux individus à poursuivre leurs rêves malgré les obstacles. Cette stratégie de communication associée à sa passion pour la musique ont montré aux autres qu'il était possible de surmonter les défis de la communication. Ed Sheeran partage ainsi ses leçons de vie. Il encourage ceux qui luttent contre le bégaiement ou d'autres obstacles à persévérer, à s'accepter eux-mêmes et à poursuivre leurs rêves avec une détermination sans faille. L'artiste nous rappelle que chaque personne a la capacité de transcender ses limites et que le bégaiement ne doit pas définir qui nous sommes. Ses stratégies de communication sont un exemple de la manière dont il a transformé sa vie et sa carrière. C'est tout pour aujourd'hui, pour cet épisode spécial, Succès malgré le bégaiement, mettant en vedette le succès d'Ed Sheeran malgré son bégaiement, en mettant également en lumière les stratégies de communication et les exercices qu'il a utilisés. Vous pouvez vous en inspirer au quotidien pour améliorer votre fluence. Nous espérons que cette histoire d'accomplissement et de persévérance vous a ému. Rejoignez-nous dans les prochains épisodes pour découvrir d'autres histoires inspirantes de personnes qui ont triomphé malgré le bégaiement. Et n'oubliez jamais
que votre détermination peut vous mener vers les sommets insoupçonnés. À très bientôt. Au revoir.